Chers compatriotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un UHC un petit peu spécial. Il s'agit d'un nouveau concept créé par Golden UHC, serveur UHC public. Tout est dans la description, vous pouvez aussi participer à ce genre d'UHC. Bon, on commence la vidéo, mais juste avant... Oh, il y a un village ! Oui, bon, j'avoue, j'arrivais pas à le caler autrement. Juste avant de commencer à expliquer le scénario, je vous annonce juste que vous êtes 60% à regarder mes vidéos sans être abonné. Voilà, donc si vous pourrez vous abonner, ça ferait augmenter un petit peu la barre et ça me ferait énormément plaisir. On est parti pour la game et juste avant, regardez, s'il vous plaît, la chance que j'ai eue. Oh, il y a trop de... Non, il y a trop d'oupsies. Il y a trop d'oupsies. Il y a trop d'oupsies. Il y a trop d'oupsies, il n'y en a pas 4. Sinon, j'ai quand même trouvé un village, c'est plutôt pas mal, avec des livres à l'intérieur. Il y avait deux maisons avec des bibliothèques, ça me donne environ 40 livres. Un plutôt bon starter. Ce scénario. Il n'y a pas nos bookshelves par hasard. Fast matching, caster boss, no fireoid bones, no road. Après avoir trouvé le village et à l'avoir pillé en quelque sorte, je m'attaque à des arbres pour pouvoir récupérer des pommes. Bien sûr, vive la nature. Ah oui, PS, j'étais sur Discord avec Draxio. Non. Ah oui, mais toi, t'es... Oui, c'est vrai que t'as le grade de Private Games, toi. Ouais. Oh, ça avait plus de 6-7 points que je vais en faire. Ouais. Moi, je voulais en faire, mais j'ai jamais fait. Samy, on s'en fout de la vidéo d'Amex et me font vert. Putain, mon frère a dit vraiment des trucs inutiles, hein. Ouf. Bah, c'est ton frère, quoi. Mais, oh. Draxio, tu vas détendre, hein. Ouf. Le courant, il va pas passer entre nous, hein. C'est sûr que quand tu prégènes pas les maps de Top Gun, hein. Y'a pas une chaîne qui fait des trucs comme ça, y pensait. Non, je sais pas. Oh, je trouve du diamant. 3, 4, 4. C'est vachement utile ça pour faire la table d'enchant. Est-ce que j'ai des decks? Ouais. En vrai, ça me sert à rien, tu vois. Genre, autant que je les jette, tu vois. Genre, Bichard, es-tu un tryharder? Non, pourquoi? Ok, je t'invite pas sur le skyblock alors. Ah ok, vas-y. De toute façon, je viendrai pas faire le skyblock encore 8 fois. Franchement, je suis pas trop un joueur skyblock. C'est cool le skyblock. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime pas. Tout le monde a joué pour ça pendant je sais pas combien de temps. Et moi, skyblock, c'est quelque chose que je pouvais pas sac. Vraiment. Bien sûr, vient le moment tant attendu de l'annonce des rôles. 1, 2, 1. Mesdames et messieurs, je suis Titan Ultime. Mais qu'est-ce que Titan Ultime? Pour faire simple, en gros, je suis le loup-garou blanc dans Loup-garou UHC. Je dois gagner tout seul. Si vous avez des questions, vous avez le Google Doc avec toutes les informations sur tous les rôles dans la description. Faut savoir que c'est pas un rôle facile à jouer, hein, parce que il faut gagner tout seul, il faut trahir les personnes normaux, il faut trahir ses coéquipiers et gagner tout seul. Franchement, ça va être compliqué. Donc, mes coéquipiers me voient actuellement comme le petit titan. Donc, tous les titans sont ensemble. Il y a les grands titans, les petits titans. Les grands titans, eux, quand ils se transforment grâce à la plume, ils ont un effet de speed 2. Et les petits titans ont un effet de speed 1. Donc, pour le moment, mes coéquipiers me voient petit titan. Donc, comme je vous l'ai dit dans la séquence précédente, les titans peuvent se transformer. Du coup, je peux me transformer en titan et me transformer en titan ultime grâce à l'étoile du Nether. Il faut savoir aussi que si je me transforme en Titan Ultime, j'aurai l'effet Speed 3 et Force, donc des effets assez pétés pour pouvoir bien sûr gagner la partie. Vous avez l'explication des rôles, maintenant on continue, on va s'enchanter. Il faut savoir qu'il n'y a pas de limite d'enchantement, du coup je peux m'enchanter comme je veux. Bon, j'ai essayé de faire un minimum de fair play et de ne pas faire des T5, des Power 8, etc. Et en limite de parties diams, c'était 2 parties diams. Il faut savoir que je connaissais pas très bien le scénario encore, du coup, Kurto Stardust est venu m'aider pour m'expliquer un peu ce que je devais faire.
Kurtosman tout simplement expliqué que les deux petits titans étaient morts. Il y a quatre petits titans et il y en a deux qui sont morts. Donc le dernier sait qu'il est petit titan et moi je suis le titan ultime, mais en tant que petit titan. C'est-à-dire que si je me dis que je suis petit titan, et ben l'autre petit titan va savoir que je suis le titan ultime et du coup je vais me faire focus. C'est tout simplement ce qu'il m'a expliqué. Vous venez de le voir en note, mais cette musique c'est une amie IRL à moi qui l'a faite et j'avais absolument envie de la mettre dans une vidéo, ça fait un petit peu sad, mais franchement je vous conseille de l'écouter, du coup il n'y a rien pour les prochaines secondes, c'est juste du minage etc, il n'y aura pas de son, donc je vous mets juste à l'écran les minutes pour passer la musique et passer directement à la partie fight et extérieur. Je profite aussi de ce petit moment pour vous montrer mon GFX, Perps alias Wassim alias It's Flame, donc celui qui fait toutes mes miniatures depuis quelques vidéos, donc vous pouvez le voir, il y a une grosse qualité de miniature. Vous les voyez à l'écran, son Twitter est dans la description, n'hésitez pas à aller le follow, je le remercie énormément, franchement c'est un génie. Et voilà, c'est tout, je vous laisse toujours avec cette petite musique. J'ai aussi depuis peu un Discord, n'hésitez pas à me rejoindre, comme ça vous aurez toutes les notifications, on pourra discuter, tout, je ferai des libres antennes dessus quand j'aurai un peu plus d'abonnés. Voilà, on discutera de la vie, de vos problèmes et tout, des miens surtout. Voilà, parce que Fares est un peu psychologue, mesdames et messieurs. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, voilà, vous avez le lien dans la description. C'est après ces révélations que la biche remonte. J'avais un petit peu compris ce que je devais faire, je remonte avec un stuff assez pété, il faut savoir que j'ai deux parties protection 3, sachant que mes bots sont aussi Death Rider 2, j'ai une T4 en diamant, bon, j'ai un power 3, il va falloir que je la joue bien. Smax. Mais c'est à cause de Smax. Non mais c'est quoi? Mais non mais c'est parce que Smax il a tapé juste avant. Bonjour. Il est avec qui? Bonjour. T'as quoi comme épée? J'ai quoi comme épée? J'ai une T3. Pourquoi? Oh, ça se fait trop diamant. Non, parce que j'en ai une en rab. Ah, mais c'est chiant du coup. Oh, ça se fait pas. Tiens, Bichard. Tu veux son stuff? Ah! Je sais pas si t'es gentil, mais je te... Merci. Je t'aime beaucoup. Ah, une fleur! Bah, transforme-moi en titan pour nous couvrir ton amour non plus. Je connais même pas le jeu. Vous avez des flèches? J'ai pas beaucoup. On décide donc de s'éloigner avec Charim Négolas jusqu'à ce qu'on se croise quelqu'un. Je pense que toi je peux te faire confiance. Bah, est-ce que t'aurais quand même un indice? Un indice? Ouais. Bah écoute, étant donné que je sais même pas ce que je suis, alors Ah, bah, tu fais slash outer info pour. Non, mais genre je connais le nom, mais je sais pas à quoi je sers. Et on m'a dit de pas donner le nom. Du coup, bah je donne pas. Y'a un doc pour ça. Hein? Y'a un doc pour ça. Bonsoir. Mec, tu sais que le mec derrière toi il est titan? C'est vrai? Mais j'ai tué Pierre Carré. Ah, mais non, mais c'est lui en fait. Il est titan, il est... Ah, ok. Garde-toi, mon pote. Pas là, papa, Minecraft. Mais pourquoi je te rattrape pas, l'arc du speed? Explique le sens de la vie. Du pourquoi tu commences. Ah! Attends, c'est pas là? Ou c'est pas là? Merci. Pourquoi je te rattrape pas Bichard alors que j'ai speed 2? J'ai speed 1 en sautant. Les mecs! Ok, c'est bon, vas-y, continue. Go. Les mecs, il est... Je suis désolé, je suis irrité. Mais vous t'avez pas su. Il a combien de vie? Putain, mais il a combien de PV ce mec? Vas-y. Vas-y. Au revoir. Wesh, tu fais trop mal. On pense à... Ah, il a broke. Allez, GG. Ah, voilà. Attends. Les gars, t'as quoi une capole? Moi, j'en ai 10. J'en ai qu'une, s'il te plaît. C'est quoi son arme? Les gars, je peux avoir des gaps. Power 4 punch. Je peux avoir des gaps aussi. Quand est-ce qu'on redevient normal? J'ai une 2, quoi. Ouais, mais moi j'en ai plus de 6 là, K5. Moi je suis revenu en arrière. Il était foutu. 4. Quelqu'un des vos enfers ou... J'avais plus 4. Bichard, t'as combien? 4? Ouais. J'en ai 2 moi, cette limite. T'en veux une? Par contre, les futurs. Ouais, une seule s'il te plaît. De toute façon, c'est groupe de 4, donc on va pas être des tubes de 4.
Avec le pouvoir, ça va faire. J'ai qu'un pouvoir 1, si vous avez pas un pouvoir de rat, vous quoi les gars. J'ai un pouvoir 1 sur moi. j'ai ton pouvoir de star. Bah, t'as du level? Non. J'ai qu'un seul. Ouais, ils sont bêtes. Bien, nous, les plus corps à corps. Hein? Les plus corps à corps, nous. Ah, oui. Hé, hold. Les stats, j'ai 3 kills. Foutu, j'ai 3 kills. Les stats. Devant, il y a un petit shifter ici. Les stats. Eh, mais lui, va vite, lui. Mais what the fuck? Les stats. What the fuck? Vous allez avoir du mal à le rattraper. Ah, ok, d'accord, il est là. Ok, d'accord, super. Ah, je l'hit! Oh, il y a des gens, Ouais, mais on va se faire caber. Je crois qu'il fight. Eh hey, Maxime, il est méchant! C'est un titan, gros! Ouais, bah moi aussi! Ah, c'est bon, Maxime, tu peux le barrer, au revoir! Il est tellement insane là-bas! Y'a ce que tu shoot! Bon, bah on fait quoi? Bah, je sais pas, mais j'ai une chance. De quoi, à l'aide? Y'a ah ouais? Te pose pas de questions, Marteau tridimensionnel. Ah ouais, attends, je fais un petit truc. Pas con, ouais. Là, je vais faire ça. Ah, il est tombé. Laisse-moi les gars, laisse-moi les gars. Oh merde. Oh, il est trop fort, lui. Pourquoi ça m'arrive jamais, ça? Oh, il est. Les gars, stop. Il y a des gens là-haut. Oui, y'a des gens à côté, j'aimerais bien récupérer les flèches, mais je peux pas. Attends, y'a des cartes. Attends, t'as pas son arc par hasard? Si je l'ai, j'ai un puissance 1. Oh merde. Ah, y'a des gens là. Ah, mais c'est nos potes. À gauche, Baker, Snarky, toi. Baker, Snarky, toi. Regarde. Ok, bon bah, rentrez. Oh! Prends pas ce Snarky, moi. Ça me choque. Il cheat la vie. Pardon, excuse-moi. Ah, GG. Minecraft, laisse taper. Y'a machin, aidez-moi. Les gars, help, non. Je suis là. Y'a machin derrière toi. Un machin. Y'a l'autre con derrière toi. Et moi, j'ai pas d'épée, j'arrive pas à jouer. Désolé. À toi. Mec, mais what the fuck, il sort d'où? Qu'est-ce qu'il dit? T'as des heals, gros, t'as des heals. T'es au courant que. Et puis. Niquez lui. Redescendez. Il y a déjà une tire. Tu verras. Y'a un mec invisible. Derrière toi, il est. Ils sont de gauche. Tu fers, les gars, tu fers. Putain, on a acculé, les gars, on se la bosse. Tu fers, putain. Vous êtes enculés, Wesh. Attends, y'a qui? Mais non, mais pourquoi il est invisible? Mais non, mais pourquoi il est invisible? Mais non, mais je fais petit. Bichard, ultime. Ah oui, il fait mal. Bichard, c'est l'ultime. Il a pas speed 3, Bichard. C'est pas lui, hein. Attends, là, c'est nos ultimes. Il commençait à y avoir trop de soupçons. Il était maintenant temps d'attaquer. Y'a le bébé! Oh, c'est venu, il est venu! Partez. Mais Bichard, faut que tu viennes solo, hein. Je peux comment voir pour y réfléchir tout ça. Oui, ils arrivent, t'as pas solo. Ouais, je sais, mais. Vas-y, Tom. Vas-y. Mais là, en fait, Bichard, t'es 1v, c'est bon. Non, mais de toute façon, on a pas de gap. Ok. Ah, pardon, putain. Ah, moulinette, tu peux t'aider là. T'es vraiment. Oh putain, c'est toi. Désolé. Max, t'es vraiment un gros bras. Oh, GG. Roll. Mais t'as complètement niqué tes baits, mais tu vas perdre contre ce pas. Sauf si tu fais un 1v4 et si tu tues Max. Non, Bichard, GG à tous, belle game. GG. Vous, me...
mais t'es totalement débile. Ok, ok, d'accord. C'est toi qui es débile. En gros, c'est pas du gâchis. Il est là, Bichard, Bichard. Allez, Bichard. Viens, par toi, par toi. Il fait mal, hein. Attends, mais y'a aussi Smack au-dessus, y'a Smack au-dessus. Oh ouais, putain, il part, je suis mal. Par toi, mec, à faire. Ouais. Vas-y, vas-y. Ah bah, je vais tous, mais. Vas-y, bah, viens, viens, Maxime, viens. Oh putain, j'ai Death Rider avec. Ça pue vino, donc c'est chaud. Bah, je suis focus, wesh. Max, il trie son stuff pour ma vie. Je m'en ai plus, j'avais plus de gaffe dans les 10. Désolé. GG. Bon, moi, ah GG. GG MDR. Non, mec, mais dans le tu vas gagner peut-être. Le stuff qu'il a, il va gagner. Allez, Bichard, première win de l'ultime. Enfin, première game, première win. MDR. Si tu le fais, mec. Je sais pas. Tu peux le faire, tu peux le faire. Eh, hey, pour toutes mes gapples que t'as récupéré, Bichard. En fait, là, le but c'est que vous avez M2v1, c'est ça? C'est ça. D'accord. Vu tes pouvoirs, ça va pas être si compliqué que ça. Hein. Smax! Oh, attends. Maximilien dans son élément. Bah non, il joue logique. En vrai, il a je sais pas combien de gap, hein. Bon, GG, moi je me casse. Belle game en tout cas. Chaud, mec. Ah, pas plus. Life for Rusting. Life for Playing. Playing. Mais genre, t'as un peu du NTF. Ah, ah. Smax. GG. Smax, oui. Mais non, mec, j'ai pas de force, moi. Wow. Bah si, t'as force. Bah non, j'ai pas force, ça existe pas du coup. Ah oui, Christa existe pas, c'est vrai. Ah bah je suis mort. Wow. Ah, GG. GG, mec. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. En plus, t'as brodé tes bottes. Oh mon dieu. Avec 7 kills, l'ultime gagne. Solo. Bien joué, mec. 3ème win de l'ultime depuis la création du scénario au TDC en juillet 2017. Ouais. Il y en a 3 qui ont gagné, c'est Bichard, Bichard, Maxime, Baiko, c'est tout. Non, Ozifou, il avait win aussi, non? Bah non. Bichard, ah non, il avait laissé la win. Quelconque. Bichard, Baiko, Maxime. Voilà. C'est GG, mec. Bah merci. GG. tu as trahi tes mates, putain. Voilà, après 23 minutes de vidéo, c'est la fin de cette AOT. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à le jouer. Avoir un rôle comme ça dès la première game, franchement, c'était pas le meilleur. Mais bon, j'ai réussi à la win avec un petit total de 7 kills, c'est plutôt pas mal. J'espère en tout cas que cette game vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me donner des idées. Tout est dans la description. Si vous voulez rejoindre, il faut aller sur le Discord, répondre à 2-3 questions juste. Et si vous répondez à ces questions juste, vous pouvez participer. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, mes chers compatriotes, je vous laisse. À bientôt. Inch'Allah. Bonne année.